Et bonjour à tous, c'est toujours le coup de Dynamite et on se retrouve pour la troisième partie, sur Assassin's Creed Révélation. Donc je vous ai quitté, je vous ai dit qu'on allait rejoindre le maître assassin pour qu'il puisse nous proposer une mission. C'est ce qu'on va faire là, pour rentrer dans la maison. Hop, c'est parti, on entre et on va voir ce qu'il va nous proposer comme mission. Ah oui, il faut déjà que j'assigne à quelqu'un qui sera le chef. Allez, Béatrice Simoni. C'est parti. Parlez à votre apprenti. Quelle mission va-t-il me proposer? Faites la course avec votre apprenti, remportez la course contre votre apprenti pour une synchronisation totale. Ouais, bon, allez, c'est sympa. On va faire ça. Mentor. On raconte que tu es toujours aussi fort et rapide qu'un homme de 20 ans. J'essaie de me maintenir en forme. Si nous faisions la course, je manque un peu d'exercice. Par devant, je te suis. Pitié, faites attention. Des problèmes de fertilité ? Templier manigance quelque chose. Nous devrions le suivre. Oh, ça. Je n'ai rien dit. La saligante. Ne laisse pas s'enfuir. Au secours ! Je arrêtez-le ! Je rentrerai tout simplement chez moi. Quel démon a bien pu s'emparer de là ? Hop ! Hey ! Tête de la balayette. On sélectionne. Vous n'êtes pas tout seul. Et on l'assiste. Mentor, il te nécessite. Ça apparaît sûrement au vous dire qu'il a dévalisé. Occupe-toi de son corps. Je vais rapporter ce document. Je vais pas sur mon chemin. Il n'est pas de souffrance que je ne puisse apaiser. Quelle adresse! Je crois que ceci vous appartient. Ah, vous m'avez épargné une terrible humiliation devant la sublime porte. Merci, Effendim. Et voici donc le jeune assassin qui vous a aidé. Passez une bonne journée. Passez une bonne journée. Hop là, 700. Je sais pas si c'est un lapsus. 700 acquis. Synchronisation tout à l'heure. Parfait, ça, c'est parfait. Ah, je vois que je suis encore rechercher, donc je vais essayer de... Tremble de colère en les sachant libres. Aidons les gardes byzantins. Éliminons les tueurs. Rendons justice. Nulle autre loi que celle de Dieu pour les tueurs tels que les assassins. Respectez sa volonté. La délation est encore... existait déjà à cette époque. Est-il à votre endroit? À gauche et tout. Okay. Du fait de ces récents ennuis au Grand Bazar,
Ah, esquiver la question, oh, donc. La journée. Encore dérangé. J'ai vu une réponse. Je tiens à dire, ils sont quand vraiment si l'argent que j'ai prêté la semaine dernière. Hein? Bien foutu. Hein. Ouais, bien sympa. On peut penser à la garde impériale de Star Wars, ce qui est Scorpion Petit. Vraiment, enfin vaguement. J'ai pas envie de me mettre à dos les fans de Star Wars. Même si moi aussi, je suis fan de Star Wars, j'adore. Merde, où est-ce que je devais aller déjà? Ah bah oui, c'est juste à côté. Oui, je disais, oui, fan de Star Wars d'ailleurs. L'épisode 1 en 3D va sortir cette semaine, je crois. Il y a des articles. Les sons j'ai sur 3D qui sont pas terribles à part. C'est le temps s'il continue. C'est vrai que les critiques ils Mentor, j'ai entendu des rumeurs troublantes. Je t'écoute. Nous avons des raisons de croire qu'un diacre orthodoxe défroqué a l'intention de tuer le patriarche de Constantinople. Et tu connais l'identité de ce diacre? Pas encore. Nous n'avons que peu d'indices. Il faut découvrir son nom. Notre cause n'en ressortira pas grandie si nous éliminons tous les diacres entre Bursa et Belgrado. Vieni, essayons ensemble d'en apprendre davantage. Découvrez ce qui se cache derrière le complot visant à tuer le patriarche orthodoxe de Constantinople. Ok, pour une synchronisation totale, localisez l'employé de l'église du premier coup. Du premier coup? Sounds like easy. Easy. Quel est ton plan, mentor? La communauté orthodoxe de cette ville est trop petite pour cacher de grands secrets. Allons interroger les membres du clergé, quitte à les forcer à nous répondre. Quel est ton plan, mentor? La communauté orthodoxe de cette ville est trop petite pour cacher de grands secrets. Allons interroger les membres du clergé, quitte à les forcer à nous répondre. Ne vous mêlez pas, tu vas payer. Reste près de moi. Il a eu du premier coup, c'est pas la garde.
Serait-ce toi? Oui, c'est toi. On raconte que le patriarche va être attaqué par un diacre défroqué. Que savez-vous à ce sujet? Ah oui, nous avons entendu ces rumeurs. Et l'homme qui les propage s'appelle Cyril de Rhodes. Le patriarche l'a banni pour tous les méfaits qu'il a commis. Il l'a même frappé d'anathème. Si vous le croisez en ville, c'est sûrement qu'il est revenu pour se venger. Avec qu'as-tu moi. Qu'as-tu appris? Notre cible est Cyril de Rhodes, un diacre excommunié. Bon, eh ben Cyril, on va essayer de te chercher, de te traquer et de t'éliminer. Donne-moi une minute. Oh. Halte. Oh. Merde. Pas froid aux yeux, lui. Il va finir par blesser quelqu'un. Il y a de nombreux hommes d'église ici. Bien, je sais quoi ici. Faire, Mentor. Si une occasion de l'éliminer se présente, je ne la manquerai pas. Oh, quel idiote! L'assassino! Imbécile! Imbécile! Tu as tué un innocent! J'ai commis une terrible erreur. Pardonne-moi. D'autres que moi ne te le pardonneront jamais. Et ils auront raison. Emmène son cadavre jusqu'au rivage. C'est un fardeau que tu dois porter seul. J'appelle ça une bavure. Escortez votre apprenti jusqu'à destination. Allez, viens. Allez, les amis, tuez-les. Putain. Où sont les canonniers? On finira bien par le rattraper. Voilà. Allons, en route. Épargne-moi, Seigneur, que je t'accuse. Ça va, je suis à 13 minutes. Confie le corps de cet infortuné à la mère, puis médite sur ton erreur. Oui, Mentor. Puisse cette honte ne jamais me quitter. Quoi? Ah ouais, ok, d'accord. Qui j'ai eu tir de Yusuf? Débloqué. Un dignitaire en haut. On va essayer de le tuer pour essayer afin de baisser notre taux de recherche. Merde, quel menti. Voilà. C'est parfait. Bon, ben mes amis, je crois qu'on va se quitter là, hein, sur ce joli coucher de soleil. Voilà, donc ben j'espère que cette première vidéo commentée sur Assassin's Creed vous aura plu. Et moi, je crois que je ferai d'autres vidéos sans commenter. Peut-être une quête sur Skyrim ou alors.
mission sur Dead Space. On verra, et je ferai sûrement aussi d'autres vidéos aussi sur Call of. Mais cette fois, commenter, on verra ce que ça donne. Parce que commenter en live, quand même, c'est pas facile. Donc, on verra ce que ça donne. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Hein. Salut! Est-il une raison?